Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'appelle Thierry Dubrouillet et je vais vous présenter l'un des 120 livres de M. David Abbassi. Je vous le présente. Mitra, Zarathustra, le premier, l'origine des origines. Ce livre raconte l'origine de la civilisation mitraïsme dans l'ancien empire jusqu'au fondement de la médecine par le roi des rois. Il vous racontera avec une certaine logique la diversification culturelle de la civilisation perse de l'Antiquité. Mais toutefois, nous retrouverons le sénateur Henri Caillavé qui nous expliquera sa pensée et sa définition de ce noble pays qui est la Perse. Maintenant, j'ai le plaisir de vous citer quelques extraits de ce livre. Je vais tout d'abord vous citer le témoignage de Grand Tom pour l'ancienneté et la civilisation de Mitra. Roman Greschmann, l'ancienneté de l'art et de la civilisation du plateau perse. Roman Greschmann, grand archéologue et chercheur perse, a déclaré que les recherches archéologiques qui ont été poursuivies sur le plateau par plusieurs nations et par la France en premier lieu, nous permettent d'illustrer le développement de l'art iranien depuis le 5e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 19e siècle sans solution de continuité. Maintenant, je vais vous citer un extrait de Adrien qui a fait un voyage en Égypte. L'influence de l'ancienne Perse en Égypte. Le roi des rois fonde l'université de médecine. Cyrus, roi des rois, roi de l'Égypte, du haut et du bas, quand j'étais dans son royaume, m'a ordonné d'aller en Égypte pour créer et construire dans la capitale une faculté de médecine. Et je rassemble toutes choses nécessaires pour faire fonctionner cette faculté en Égypte. Ce texte a été ramené de l'Égypte vers Rome par Adrien et il est actuellement dans le musée du Vatican. Maintenant, je vais vous citer la parole de M. Henri Caillavé sur la Perse. Le sénateur Henri Caillavé. La Perse, ce magnifique pays qui nous a tant apporté de civilisation. La Perse, ce magnifique pays qui nous a tant apporté de civilisation et dont nous sommes quelque peu les fils. Parce que c'est vrai que les Perses de l'Antiquité nous ont témoigné de leur art et de leur intelligence et de leur solidarité et ont influencé à la fois la Grèce, Rome et puis bien évidemment les Gaulois et la France. Maintenant, je vais vous citer un dossier d'archéologie. Changeons tous nos calculs. Dossier d'archéologie, la découverte qui bouleverse la connaissance des origines et de la civilisation. La dernière découverte de la civilisation perse a retenu l'attention du magazine Dossier d'archéologie, qui avait consacré son numéro de 145 pages du mois d'octobre 2003, numéro 287, à la fabuleuse découverte de Giroft. En mettant en grand titre sur la couverture « La découverte qui bouleverse la connaissance des origines de la civilisation, un foyer culturel et artistique vieux de 5000 ans ». Maintenant, je vais vous citer un récit de Monseigneur Truchmotte, Mitra et les mages de la Nouvelle Alliance. Monseigneur Patrick Truchmotte, le culte du Mitra. Le père Patrick Truchmotte, 1939-1986, président de l'Académie Haussonne, médaillé de la ville de Bordeaux pour ses activités de secrétaire général, du comité de bienfaisance Longchamp, Lacep, Mandron, médaillé des sauveteurs de la Gironde, médaillé du gouvernement, médaillé du souvenir français et membre de son bureau girondin, animateur de l'émission Ici l'Église de France sur Bordeaux 1, authentique savant en médecine homéopathique. Monseigneur Truchmotte était aimé et estimé non seulement de ses fidèles, mais de nombreux Bordelais. Un passage fort important développait la thèse suivante. Les mages de l'Épiphanie auraient été prêtres de cette religion venue du sud de la Mésopotamie. En voici l'argumentation sous la plume de Monseigneur Truchmotte. Mitra et les mages de la Nouvelle Alliance, l'Évangile selon saint Matthieu rapporte qu'à l'époque de la naissance de Jésus, des mages arrivèrent qui venaient de l'Orient. Selon toute probabilité, ces voyageurs spirituels appartenaient à une religion extrêmement
antique dont la figure la plus connue des historiens est celle d'un très grand sage nommé Zarathoustra. Merci d'avoir écouté ma lecture et à très bientôt.